Les amis, bonjour. C'est la première fois de ma vie, je fais une vidéo, je sais pas quoi dire. La Côte d'Ivoire en finale. Qui aurait cru? Qui aurait dit? La Côte d'Ivoire, on dirait un ami à toi toute l'année. Jamais de la vie, il a révisé. Jamais tu l'as vu en train de réviser une leçon. À la fin de l'année, il a 20 sur 20. La prof, toute l'année, elle lui dit, toi, tu vas rien faire de ta vie. Tu vas être nul dans ta vie. Il devient docteur à la fin. La Côte d'Ivoire, on dirait un ami à toi. Il n'a même pas eu le bac. Il est devenu milliardaire. Comment il a fait? Je sais pas. Mais tu dois le respecter parce qu'il a réussi à la fin. Quel est le secret? La Côte d'Ivoire, vous avez rendu foot. Le monde du football, ils sont devenus fous. Même la FIFA, le logiciel, il a pété. Infantino, il va démissionner la semaine prochaine à cause de vous. Parce que dans l'histoire du football, jamais une équipe a perdu 4-0. Et les passions finales après. Vous êtes passé grâce au Maroc, vous vous êtes retrouvé en finale. Comment? J'ai parlé à un Ivoirien, je lui ai dit, comment vous avez fait? C'est quoi la... Quelle est la règle? Quel est le secret? Il a dit, hey, la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique, elle est chez nous. Alors c'est nous, on décide de perdre et de gagner quand on veut. J'en ai marre. Moi, je peux comprendre, vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi vous jouez avec les émotions depuis le début? Nous, depuis le début, on veut vous soutenir, mais on ne sait pas si vous êtes fort ou vous n'êtes pas fort. Nous, on veut vous soutenir, mais on s'est arrêté, on dirait une caméra cachée. La Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, on dirait un prank, on dirait surprise, voilà, on a perdu, surprise, on a gagné, j'en peux plus. Après, voilà, comme je l'ai dit, toutes les vidéos, c'est grâce au Maroc où vous êtes passé. Mais non, prenez la Coupe, c'est bon. Juste, moi j'en peux plus, c'est plus grâce, le merci il est fini, je veux plus vous suivre, ça y est, vous m'avez fatigué. Que Dieu vous donne la coupe, mais ça y est, ça, je veux plus. Mes émotions sont fatiguées avec la Côte d'Ivoire. J'en peux plus, je vais mourir à cause de vous. Franchement, tellement je suis fatigué de vous suivre. Je déclare officiellement que votre merci est fini. C'est bon, vous ne devez rien à nous les Marocains, ça y est, on vous offre la coupe. C'est plus grâce à nous, juste prenez-le. Parce qu'on n'arrive plus à vous suivre, on ne sait pas si vous êtes fort. C'est bon, en tant que Marocain... Au nom du peuple marocain, je vous dis que ça y est. Ne partagez rien avec nous. Juste prenez la coupe, c'est tout. Inch'Allah, vous prenez la coupe. Mais on est fatigué. Et Mbemba, tu as dit toi-même, il y a justice. Dieu, il y a la justice de Dieu. Ben voilà, tu as eu la réponse. Tu as voulu faire la prière sur le Maroc. Dieu t'a envoyé la prière sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est la Côte d'Ivoire... On est à égalité à la Côte d'Ivoire. Vous nous avez pris notre droit. Voilà, vous. La Côte d'Ivoire, le Maroc, on est quitte, c'est bon. Grâce à vous, vous êtes passé en finale. Mais aussi, vous nous avez vengé contre le Congo. Allez, ciao. Et félicitations à vous. Hein. Tom Maudia, vous êtes fort. Hein.